connaissez pas. La société, elle a que des problèmes. La société, elle a mauvaise haleine. Emmanuel, tu descends. Emmanuel, tu descends. C'est la psychiatrie qu'ils ont donné. Et vous, vous réalisez quand même la tente, là? Oui, bah, vous voyez un peu dans quel état vous vous mettez. Le plaisir, c'est qu'à tous les âges, il y a des gens. Une question d'un petit garçon, peut-être? Bonjour. Bon. Comment tu t'appelles? Alexis. Alexis, quel âge tu as? 12 ans. 12 ans, qu'est-ce que tu as dû chanter? T'es bien avec qui, là? Avec mes anciens voisins. Alors, on n'est pas dans le Nord, ça. À Marseille, ils sont très heureux. Dans le Nord, Alexis, tu l'as ramené, tu sors. Il est en danger, mais là, à Marseille, c'est les anciens voisins. Les anciens voisins. Et tes parents, qu'est-ce que c'est? Ils ont des parents? Ils voient la maison. C'est quoi les gens, c'est quoi ton prénom? Ton prénom? Alexis. Alexis. C'est inquiétant. Elle est venue avec ses voisines, bien sûr. Elle est magnifique. Vous êtes majeur, mais vas-y, tu es quel âge? Ah, c'est la responsable. Ouais. Ouais. Moi, je vous rassure, il y en avait pour les enfants tout à l'heure. Hein. Alors, c'est deux lapins et une butte, hein, tout à l'heure. Totalement. On va revenir en film. Oui, on va revenir. Je ferai un bisou à la fin alors. Ah, le bois de pipe plutôt. Je sais pas faire. Ouais, t'as deux enfants, tu fous pas de ma gueule. Je sais très bien t'en servir, t'inquiète pas. Oh, tu fous de ma gueule et tu crois qu'un bisou ça va aller. Je rigole. Une autre question, pas moins que ça, en journal de l'art. Ça va demander à Alexis pour la vie. Vas-y, on t'écoute. Thomas. Oui. Je voulais savoir. Je tire vraiment aussi mal avec une arme, c'est juste pour le film. Ah Dieu merci, je tire mal avec une arme, j'ai jamais... Non mais t'es à Marseille, là, ça me passionne. Ouais, ouais. Alors, on sent vraiment la question, c'est la seule vie où on a eu cette question, quoi, par rapport. Parce que quand tu tues quelqu'un, hein, tu vois, t'es plus comme ça, quoi, tu vois. Sors les cadavres, comme Marseille. J'ai jamais... cliché, s'il te plaît. Pardon? Trop de clichés. Je sais, mais j'ai jamais tenu une arme de ma vie dans... Voilà, je tire mal, j'ai pas envie de tenir une arme, je tire mal, je suis un homme de paix, moi, tu vois, j'ai un physique de lâche. Je suis pas adepte de la bagarre ni des armes à feu. Voilà, donc je tire mal. Désolé. Ah, c'est un truc de cul, ça. Non. Juste, est-ce que vous pouvez danser pour lui faire plaisir? Oh là là, là là là. Tu veux pas acheter des bananes aussi, j'ai des bananes. Pourquoi il dit Thomas? Par rapport à son propos, je n'ai pas fini à ça. Non, je suis vraiment désolé, j'embrasse fort ta soeur, mais j'ai eu un claquage à la cuisse. J'avais pas vu que je pouvais tomber comme une merde. Hein. Allez, calme-toi, la compagnie crève. Elle est ta gueule. Oh, c'est ça, vos images de l'Afrique. Bonsoir. Ah, monsieur. Voilà la question. Bravo pour les travaux, c'est beau, hein. C'est joli, hein. Mon Dieu, vous avez mis de l'argent dans la moquette. On fait toute la moquette, ouais, tout est neuf, il n'y a pas trop d'acariens pour l'instant. Ouais. On rigole avec ça, n'empêche que cette comédie que le public va découvrir, oui. il y a un peu de personnel là-dedans. Oui, 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 bien sûr, je suis comédien. Mais ne parlons pas de moi, parlons de ma magnifique équipe, et j'aimerais savoir quelle est la personne qui s'achète des habits, parce que il faudrait. Alors, c'est très gentil d'aider les aveugles, mais
Khan, qu'est-ce que c'est que ce look? C'est pour toi. Eh ben, il voit bien des cambouis sur les mains. Qu'est-ce que c'est? C'est un look de garagiste américain. Pour ta carrière. Dodo, fais-en dodo. Ça prend un petit peu trop. Ça prend. Comment t'as fait? Non, je suis très heureux. Alors, on est avec des Marseillais, en fait. Ouais. Oui, parce que... je danse le mia. Pas de pas, Coty. Chemise ouverte. Chaîne en or qui formidable. Hein perdu, non, t'as dit ça, il est plus là. Non, je suis très heureux parce que... Non, je ne suis pas à l'hôtel, je suis ce qu'on appelle chez l'habitant. L'hôtel-toon. J'ai dormi... Voilà, j'ai dormi chez Cad cette nuit, et c'était formidable, et parce que je me suis retrouvé coincé dans les toilettes, que le verrou ne marche pas. Ça peut arriver, ça peut arriver. Comment ça se fait? Petit défaut. Ça peut arriver. Oui. Les travaux sont à la Marseillaise, tu comprends. Non, je rigole. Non, c'est très beau. Je suis très content d'être là. Donc je suis ravi, 6 ans après les Ch'tis, de retrouver mon complice des Ch'tis. J'étais ici il y a 6 ans, même un peu plus. Avant la sortie des Ch'tis, on avait fait avec Jean-Marie Guillaume et Marine une avant-première. Une projection, en fait, projection, à l'époque. Une projection test, c'était vraiment ici. Une projection test, ouais. C'était merveilleusement bien passé. Il y a des gens qui étaient d'ailleurs à la projection test. Oui. C'est bien, sans savoir ce que vous voyiez. Vous avez été les premiers à voir Bienvenue chez les Ch'tis alors que le film n'était même pas terminé. J'ai cru que c'était ta braguette, tu entends? Et non, ça a été un moment fabuleux parce qu'on a discuté après, c'était génial. Donc je suis très heureux de revenir en campagne avec un tout nouveau cinéma qui est en partie de des finances. Grâce aux entrées de Bienvenue chez les Ch'tis, c'est 50% du prix du billet. Mais c'est mérité et c'est très beau et je suis très heureux de. En tout cas, de retour. Qu'est-ce que tu réponds sur le film, messieurs, dames? On est heureux de partager ce film avec vous parce que. Une main s'est déjà levée. Voilà, une main s'est déjà levée. Et puis ce soir, nous avons la chance d'avoir. Excusez-moi, une chaîne. Pardon, excusez-moi. Non, mais juste pour. Je voulais juste dire, avant de démarrer le débat, c'est effectif, hein, Jean-Pierre Pernaud, hein, t'inquiète. Hein, que je sais pas si c'est un compliment. C'est un film, si. Ah bon c'est, d'accord. Tu préfères quoi, Nagui? Jean-Pierre Pernaud? Ouais. Non, ici c'est Pastis, Jean-Pierre Pastis. En tout cas, c'est un film, comme vous l'avez vu, qui est très moderne, pour vous en parler un petit peu, parce que parfois quand on parle un peu avant le film, ça répond déjà à certaines questions. Moi, il y a des sujets dans le film, maintenant que vous l'avez vu, qui m'ont beaucoup touché, comme la monoparentalité. Vous avez vu les deux personnages principaux vivre seulement avec leur mère. Je trouvais ça bien de mettre ça en avant, de dire qu'il y a des familles comme ça aussi en France, et que ça arrive, et que c'est pas très grave, et que c'est cool. Et ça m'avait évidemment aussi touché le problème de ce gamin qui tombe amoureux d'une fille, forcément on l'a tous vécu. Et puis voilà, je trouve que c'est un film qui est très moderne, dans le sens où c'est un mec qui tombe amoureux d'une fille, puis finalement il tombe amoureux d'une autre fille. Vous pouvez demander à François Hollande, c'est quelque chose de très moderne. Qui s'est levé, tu as le micro? Vas-y, on t'écoute, mets-le bien. Combien de claques Kev il a pris pendant le film? Ça commence bien. Tu travailles pour quel journal déjà? On peut savoir. Combien de claques j'ai pris? Écoute, Pascal, tu peux répondre, c'est toi le réalisateur. J'ai pas compris la question. Combien de claques? Tu claques un peu fort, je suis un peu sourd. Combien de claques il a pris? Je sais pas. T'avais pas compris cette question? C'est pas la PDVC qui aura. Il a pris, il en a pris pas mal. Après, c'est difficile à comptabiliser comme ça, mais un bon. Il faut pas que tu t'inquiètes. C'est des fausses claques. C'est des claques dessinées. C'est évidemment pas des vraies claques, c'est des fausses claques. Autant. La déception. Oh, je voulais qu'il se soit fait défoncer, moi. Quand on fait une claque, on met pas la main. En revanche, quand il fait des bisous, il met la langue. Tu vois? Ouais, c'est un petit plus perso, quoi, on va dire. Ça te fait rire, toi, tes clients, hein. J'aimais bien cette scène, je l'ai fait refaire des fois et des fois, c'est vrai que c'était plutôt sympa. C'était, voilà, c'était sympa, clair, quand même. Les claques. Les claques. Si ça vous a plu, c'est le plus important. Autre question, réaction? Ah, une main devant, je viens vous. Une main devant, une main. Alors, bonsoir. Merci. Bonsoir. 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 Ça va. Bonsoir. Ce qui est bien avec l'accent, c'est que ça devient féminin. Bonsoir. Non, nous, on n'a pas d'accent. Vous en avez. C'est vrai. D'ailleurs, on va arrêter de parler avec cet accent. Ouais, alors, on prend notre accent. Bah, comment tu vas, toi, alors? Moi, ça va bien. Oui, ça va bien. Ok. Tranquille. Alors, petite question, monsieur Pascal Bourdieu. Pourquoi Kev Adams, alors que c'était son premier grand rôle? Eh, hey, Gigo, qu'est-ce que tu dis, là, oh? Ah, j'ai fait de ma pierre, oh! Non, mais
Pourquoi? Mais vous le faites très bien. Vas-y, vas-y, réponds, Pascal. Ouais, parce que, en fait, ce le dit, scénario, c'est pas moi qui l'ai écrit. En fait, il a été écrit à la base pour Kev Adams. Et donc, quand je suis arrivé. T'étais obligé. Voilà, j'étais obligé. J'ai hésité, mais après, je me suis dit, ouais, peut-être quand même, c'est pas mal. Non, mais à la base, c'était un film écrit pour Kev. Il s'est battu pour que ce soit Daniel Auteuil, mais malheureusement, ça n'a rien à voir. Non, mais c'était un plaisir hein, de travailler, évidemment, avec Kev. C'était. Merci. Ben, merci à vous. Autre question, réaction? Voilà, levez la main, on vous emmène un micro. Oui, il y a des questions sur le film, le fond. Sur les endroits, sur les personnages. Sur il y avait une main là, mais dans le fond, oui, il y a déjà le micro. Ken, c'est pour savoir si t'avais aimé ton moment avec Gigi. Je te vois pas déjà là. Oui, il faut lui dire qu'il s'est rien passé derrière, c'est que le film s'arrête à l'image que t'as vue. Hein. Qui te dit? D'accord, ok, j'apprends des trucs. Putain. Écoute, c'est très très. Bien bah, je vais te raconter ce qui s'est passé avec le serveur après. Non, ça s'est très bien passé. C'est Daniel Evnou qui interprète donc Gigi, pas la belle Gigi, mais l'autre Gigi. L'autre Gigi, la belle, l'autre. Pas la belle, l'autre, j'ai dit. C'est pas méchant, je trouve. Pourquoi vous avez fait oh, c'est pas méchant. Ah. Et ben, c'est une femme qui m'a appris beaucoup de choses dans la vie, ouais. L'autre Gigi. L'autre Gigi. Et la jeune, Gigi? Pas la jeune, l'autre. Ah ouais? C'est ça. Mais... c'était Daniel Evnou, quoi. Ouais. Pour ceux qui sont nés en 1860, vous savez qui c'est, normalement. Ça te fait rire, hein, Nagui? Marie Pervenche, pour ceux qui regardaient la télé en ce moment. Eh oui, Marie Pervenche, à l'époque où ma mère elle avait 6 ans. Voilà, c'est ça. Voilà. Il y avait une autre question devant. Bah, raconte Gladiator. Gladiator le resto. Ah, oui. Vous connaissez Gladiator le restaurant à Aix, tu connais? Bah écoute bien cette anecdote alors. On n'ira plus. Ok, alors, le gars, il y a un petit resto à Aix qui s'appelle Gladiator qui est dans une petite ruelle. Et le italien. Gars, c'est un restaurant italien. Et le gars, on arrive un soir, on va dîner, Franck, moi, Pascal, quelques gens de l'équipe, on rentre sur Aix le soir, on va dîner là-bas. Et le gars, il voit Franck, il fait oh, putain de merde. Avec l'accent italien, Il a un peu l'accent italien, mais il nous dit, mais cette phrase qui restera gravée à jamais dans ma mémoire, il nous dit, moi, il y a deux personnes que je suis fan. Il dit, il y a Russell Crowe et il y a Franck Dubosc. Et ça nous avait beaucoup fait rire. Voilà. Il a bon goût, autant vous dire que ces pizzas sont délicieuses. Merci. Est-ce que Kev pourrait nous refaire sa scène de danse? Laquelle? Parce que je fais beaucoup de scènes de danse quand même. Le moonwalk, c'est ça? C'était le moonwalk? Non, c'était le. Ça m'a avec Alice? Avec. C'est un gala galatinia, c'était cette chanson là. Et la paca, moi du gala mou, moi la gala la gi, la gala gala mou, moi la gala chila. Non, le film qu'on a vu à peine là. Eh ben ouais, eh ben, tu danses avec moi Lisa? Tu fais la musique Franck? Tchabagada, tchabagadada, tchabagadada, tchabagadabadaba, tchabagadada, 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 tchabagadada. Bravo. Ça va, ça te suffit? Il y avait quoi? Une doublure. Non, tu veux dire au McDo? Ah, il y avait une doublure. Au McDo aussi. McDo, quand je prends la voiture, je m'en vais. Oui, quand tu... Ok, alors le principe, en fait, c'est qu'on vient et on refait le film pour le gars, en fait. C'est ça. Mais... je sais plus ce que je fais. Tu veux que je refasse la scène de la boulangerie, non, par hasard? Alors, est-ce que vous pourriez me faire la scène? Pourquoi? Parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre, ce temps-là. Dans ce temps-là, accrocher ces lilas jusque sous nos fenêtres. Et si l'humble garni qui nous servait le nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. Avec moi, la bohème. La bohème, ça voulait dire on avait l'argent. La bohème,
la bohème. Une plus cette chanson-là que sur la Zavon, est-ce qu'on peut aussi avoir un petit coup de ça? Je vais écouter un petit morceau. Écoute-moi, camarade, elle est pour toi cette chanson. La 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 la, elle va te rendre malade et tu vas souffrir longtemps. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Je sais bien que tu l'aimes, tu lui as donné ton âme. Tarek, approchez-vous un peu, je te vois plus dans la lumière, Tarek. Attends, je vois les décolletés d'abord. Voilà, c'est pour les photos, les vidéos, tout ça. Voilà, ouais, voilà. Voilà. Balancez sur la balancer. Voilà, une façon de guider un comédien en ascension, c'est pas mal ça. Allez-y, vous pouvez allumer le, voilà, les tablettes, les téléphones portables. Donc c'est le dernier film, là. Ouais. Voilà. Et c'est aussi pour ça que je suis célibataire. Là, je me place d'ailleurs, je suis célibataire. Philippe, la musique. Attends, je prends la trouver sur internet. C'est ça, ouais. C'est beau. Ouais, mais ça met un peu de temps à arriver, non? Ah ouais? Ah, il fait sa star en plus. Ça va. Ah, chier. Ça y est, là, c'est parti. Là. Ha ha ha.
génial. Bravo, tu m'as. Ça va, ça va. On a partagé un bon moment. Elle est en train de lui toucher les fesses, quand même. Pour toi. Il va te faire la baleine. Il est très intéressant. À l'écureuil. Déjà, t'as pas du chose, mais attends, je veux qu'il me fasse le poney. Non, je vais faire la baleine. Je vais faire la baleine, par contre, lui, il me lance sur des animaux, tout ça. Moi, je vais le lancer sur Michael Jackson, parce que. Il est fan de Michael Jackson. Vous avez pu voir dans le film. Il est né le jour de la mort de Michael Jackson. Vous avez suivi ? Michael Jackson. C'est d'ailleurs que Fifi a 4 ans. Ouais. En chien. Ouais. Et il vous fera tout à l'heure une danse. On n'est pas obligé. Ne pas le sujet. Tu vas nous faire la baleine, après tu nous feras le dindon. Après tu nous feras le paresseux. Tu veux rester. C'est comme tu veux. On va faire la séance si tu veux. Merci Nida. Merci Nida. Bravo. Merci Nida. La baleine. Un cigare. Voilà, ça c'est fait. Alors... C'est bien faire la chèvre. Ouais. Non, c'est pas vrai. Je sais pas le faire. Non, en fait, Harry Habitant, il fait Shabbat, Noël et son anniversaire. Pour ça, il peut pas venir. C'est pour ça qu'il est pas là. Et puis ça se mange pas. Non. Bah, il posait la question à qui ça dépend, peut-être que... À moi. Alors, c'est une vanne, hein, on a... C'est une vanne, ouais, j'ai utilisé. Il y a des micros qui vont circuler dans la salle dès que vous... Allons donc rendre la partie. La joue de Marie, la joue de Marie. Tu te moques de moi, toi? Alors, là, parce que c'est quelqu'un. Qui se moque de moi, lui? Une vraie Marseillaise, fait comme il faut. C'est ça. Pour vous. Allô, ça va. De la patrie, quoi. Le jour de gloire est arrivé, comment ça s'arrête? On va faire quoi avec ça? Contre nous de la tyrannie, mettons à la Saint-Glacier. Midi Sadoun, et nous, Diamant. Au-dessus, c'est le soleil. Ouais. Est-ce que vous avez un clin d'œil à faire passer ou est-ce que c'est juste une... Non, c'est au total hasard. Et j'en marque que Fou t'a vachement intéressé. Vous avez remarqué une belle connerie ici. Je sais pas, vous avez les yeux quand on le suit. Non, on a dit un réalisateur. Pardon ? On a dit un réalisateur dans beaucoup de détails. Non, t'as absolument raison, mais pour le coup, il était habillé en vraiment. En technicos basique, quoi, et je te cache pas que j'ai pas du tout fait gaffe à sa casquette, mais vraiment pas. Et aujourd'hui, même quand je la vois, à la limite, ça me fait sourire, quoi, parce que le film a été tourné il y a un an, et puis quand j'ai vu cette casquette, ça m'a fait. Enfin, ça n'a fait aucun effet. Et aujourd'hui, quand je la revois encore, ça ne fait toujours aucun effet. Et toi, en tout cas, ça t'a. À
pense qu'à finir dans les blocs, tout de même, ce passage-là, il y aura des doubles lectures, des triples lectures de certaines personnes. Ça va être rigolo. Autre question, réaction? D'autres mains se sont levées. Alors, juste... J'aimerais savoir comment ça s'est passé le tournage avec Harris. Est-ce qu'il est... Est-ce qu'il est méchant? Est-ce que Harris est méchant? Est-ce qu'il est arrivé en me disant « Bonjour, je te dis que ta race ?» Non, pas du tout. Il est... C'est un mec très gentil. Mais tu sais, c'est ce que j'ai essayé plus ou moins de montrer plus ou moins adroitement dans le film. C'est que bon, déjà, c'est clair que j'aime beaucoup le rap de façon globale. Dans toutes ses formes, de Carrie jusqu'à Stromae, moi je suis fan de tout, non mais c'est vrai. Et du coup, voilà, moi ce mec il est venu, enfin j'ai demandé à le rencontrer, il était très poli avec moi et pas de soucis. Et moi j'ai pas du tout, j'aime pas justement l'image cliché du rappeur bête et méchant, tu vois, parce que tous autant qu'ils sont, comme tous les artistes, ils jouent un rôle devant les caméras, en fait. Ils jouent un rôle devant les caméras ou dans leurs clips, et après il y a la vie. Et dans la vie, on ne sait pas qui est qui, en fait. Donc, c'est peut-être un mec extrêmement doux et gentil, soit personne ne le sait. Et tu vois, il y a des fois des artistes de variété qui vendent de l'amour à la télé, je vous aime, et qui sont des horribles connards dans la vie, tu vois. Et je sais de quoi je parle, je suis même un pied dans le showbiz. Donc, voilà, mais c'est vrai, donc, en gros, voilà, c'est un mec très, très sympathique. Voilà. Merci. Pourquoi pas pris, c'est vous à chaque fois? À chaque fois. Là, c'était un film solo et pourtant obligé qu'il place une tête. Bah. Salut. Parce qu'elle n'était pas prévue et je l'ai vu arriver un matin sur le plateau. J'ai dit qu'est-ce que tu fais là? Il m'a dit bah, j'ai rien à foutre. Et j'ai dit bah passe, il y a un personnage qui peut. Tu vois, je peux faire le truc quoi. Donc voilà. Ça s'est limite passé comme ça d'ailleurs. Mais non, on sortait du tournage du Crocodile, donc du coup, je lui ai gentiment demandé de passer. Et puis voilà, c'était aussi simple que ça. Merci. Sans prix. Autre question ou réaction, peut-être la dernière avant de se quitter. Ça va être plaisir. Non, je vous laisse. Il y avait juste voilà, une autre réaction, je crois que c'est un monsieur. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour. Je m'adresse à Patrick. Je suis comme vous. Tous les jours, je m'arrête au 5e. Ah oui, je ne peux pas monter plus haut, j'habite au 5e. Quant à Sophie, je voulais lui dire que c'est. Elle joue très très bien. Et c'est pour nous la troisième bonbon. Voilà, bonsoir à tout le monde. Monsieur l'a dit, c'est la troisième boum boum. C'est la boum boum 2, voilà, c'est le boum boum. Voilà, l'histoire du 5e, tout le monde n'a pas compris. Je ne peux pas expliquer, moi. On va donner le micro, on n'a rien compris. Tony a besoin de comprendre. Voilà. Passer la nuit à se demander c'est quoi le 5e. Alors, l'histoire du 5e, c'est que tous les soirs, comme Patrick Bruel, je m'arrête au 5e. Mais pourquoi il s'arrête au 5e, Patrick? Je ne peux pas monter plus haut, j'habite au 5e. D'accord, mais... Je ne vais pas aller au 6e. Ouais, jusque-là, on avait tout compris. Mais pourquoi, moi, vous pensez que j'habite au 5e? Non, c'est moi qui habite au 5e. C'est pas lui, c'est moi. C'est vraiment de beau, ça. T'aurais dû faire la première partie vendredi. Alors, pour la bonne compris, monsieur, mais peut-être c'est ce que vous voulez signifier, c'est que tous les soirs vous souhaitez monter au 7e, c'est ça? Non. Ah, non. Alors, pour votre gouverne, j'ai déjà doublé Burt Lancaster, et on dit dans la Gineste. Hein, il était en voiture, moi en voiture, je l'ai doublé. Ah, doublé. Il y a des perles là, il y a des perles. Tony, remettez-vous. Autre question, réaction, témoignage. Est-ce que vous pouvez monter jusqu'au 7e, on sait rien. Enfin. Oui, j'arrive à vous, dans le fond, et ensuite ce sera vous devant. Allez-y. Le 7e est ici. Oui. Ah, monsieur du 5e, qui a doublé donc par Lancaster sur la Gineste. Ah, c'est bon ça, c'est très bon. Allez-y. C'est à moi. Alors, j'ai un petit reproche à faire à Sophie et à Patrick. Dans le film, ils se quittent souvent.
Moi, je suis marié depuis 59 ans. Et la seule fois où j'ai... Merci. La seule fois où j'ai demandé à ma femme qu'on se quitte, elle m'a dit, mon chéri, tu as eu mes vieilles... Tu as eu ma jeunesse, tu auras mes vieilles fesses. Et vous êtes avec ma femme? Ah ben alors, levez-vous alors, c'est admirable. 59 ans. Ça fait rêver. Dernière question. Vous êtes très beau, vous êtes très beau, mais j'ai une question. Parce que vous ne voyez pas, mais moi j'étais là, on était en train de parler. Et je me demande comment c'est possible qu'un M&M's soit là. Il y a un M&M's ici. Pourquoi? Chocolat. Ah, voilà. C'est pour ça, on va le garder celui-là. Ça, c'est notre M&M's. Et plein de cul, comme ça. Ah, c'est vrai. Avant qu'on puisse en... Beaucoup ri. Mais moi je voudrais juste. Parce que ça sert à rien de parler de film. Vraiment qu'on parlerait mieux. Mais juste pour Cédric, parce que vous prenez beaucoup de photos, j'aimerais bien faire une photo pour lui. Moi. C'est bien ça. Bon, c'est un peu chiant. Eh bien, passe ton micro à Cédric. Je pense que pendant que tu prépares ton téléphone. Moi, pendant ce temps-là, je vais faire un énorme bisou à mes beaux-parents. Personne ne va m'écouter, on peut faire. Voilà. Parce que j'ai épousé une Provençale. Faites la queue pour les autographes. Non mais on profite pour le tir.